Bonjour, ici Faisin Sketch Radio. Je m'appelle Nina et je vais vous présenter un peu plus tard mon collègue Mathis. Nous allons faire sur le thème d'Halloween. Je vais passer la parole à Mathis, mon collègue. Bien sûr. Ah, bah si on allait voir cette petite enfant là-bas. Bonne idée, il a l'air très bien déguisé. Bonjour, comment tu t'appelles ? Ilan. C'est un très joli prénom. Ilan, est-ce que tu connais l'endroit pour aller au cimetière ? Oui, la troisième à droite et puis la deuxième à gauche. Tu voudrais pas venir avec nous, s'il te plaît ? Oui. Alors viens. Alors viens, on y va. On va bien s'amuser, Ilan. Oh, regardez, des gens déguisés. Oh, regardez, c'est un alien. Il est très bien déguisé. Oh, c'est marqué Stitchounette. Oh. Pouvez-nous nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Racontez votre vie, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Je viens de la planète Neptunos. Ma comète s'est écrasée dans la ceinture. Quoi? Hein? Mais c'est impossible, ça. C'est oh, vous avez une super voix, désolée, mais ça doit être très bien fait. Oh, regardez, il y a Bonjour. Un vampire. Bonjour. On peut toucher votre déguisement? Bien sûr. C'est tout gluant. C'est de la glu ou quoi, votre déguisement? Et si on touchait le vôtre, si vous voulez bien? C'est collé. Ah, c'est collé. Collant. Et bonjour. Et vous venez d'où? Je viens de ma tombe. Attends, est-ce que ça voulait dire que vous serez un mort-vivant? Bien sûr. Oh, ça nous fait... Oh, ça géniale histoire. Ça nous fait entièrement peur. C'est une géniale histoire. Dites-la et vous serez vraiment... Vous ferez très peur. Ok. Ilan, est-ce que tu veux dire un mot? Ben oui. Quoi? Ben, il ressemble à mon ancêtre. Ah bon? Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. C'est normal, ils se sont arrière-grand-père. Ça veut dire que ça fait des siècles et des siècles que vous êtes dans cette tombe. C'est Je impressionnant. Suis... Attendez, si vous êtes un alien avec une super voix, vous, un mort-vivant et que vous ressemblez à Ilan en disant que vous êtes son ancêtre, ça veut dire que... Je crois qu'on va très vite partir.